Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour décembre 2012? Je te rappelle que on a prévu de lancer une plateforme internet. On s'est fixé le 2 avril, donc on a une obligation de réussite à partir du 2 avril. Parallèlement, on a tenu à mobiliser dès le début de l'année, ça on l'a expliqué à toutes nos fédérations, à tous nos syndicats, à toutes nos unions départementales, l'ensemble de nos militants, jusqu'à l'adhérent. Il rencontre tous les jours un salarié dans une très petite entreprise, il va acheter le pain, il va à la supérette, au magasin d'habillement, se faire coiffer dans le salon de coiffure. On va travailler beaucoup sur internet avec cette idée de plateforme. Et donc, autour de l'affiche, il y aura aussi des petits clips vidéo, ce qu'on appelle des teasers. C'est le premier jet qu'on a eu. On a commencé à travailler là-dessus. En 2012, l'année des salariés des TPE. Oui, c'est de vous qu'on parle. Oui, parce qu'on veut, pour une fois, faire sortir les salariés de cette très petite boîte de l'ombre, d'une certaine manière. On n'en parle jamais. Il faut vraiment qu'on arrive à toucher, que la personne se dise « Ah ben oui, oui, c'est moi ». 2012, il n'y a pas de très petite élection. Ça te fait penser à quoi, Jérémy ? À la présidentielle. Pour certains salariés, ils ne sauront pas ce que cela veut dire. Ah, ça c'est clair. Hein, il faut préciser des très petites entreprises. Là, on leur dit « Pourquoi il n'y a pas de très petite élection ?» Parce qu'en 2012, ils vont voter en décembre 2012, et ils vont voter, et ils sont près de 4 millions quand même. Au final, on a nos deux affiches. Et alors là, écoute, l'idée maintenant, elle est quand même un peu là. Ouais, on est bien, c'est de vous qu'on parle. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour décembre 2012? Ouais, c'est de vous qu'on parle. Ouais. Donc l'idée, voilà, c'est un peu comme l'affiche, hein, il n'y a pas de très petite élection. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est un peu la déclinaison de l'affiche et de l'accroche sur, sous forme de teaser. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour décembre 2012?